anything right about now. Et nous nous levons, buvons. Ah, on a quasiment plus rien. Quasiment plus rien. Ok, il faut qu'on récupère de l'eau. Alors, la dernière fois, on a encore les risques de parasites, il n'y a pas de problème. La dernière fois, nous avions chassé Winnie. Nous avions chassé Winnie. Ça s'est pas vraiment solvé par... par un succès, mais on l'avait bien chassé. Et maintenant, bah, il a disparu. Donc, il va falloir le trouver, Winnie. Il va falloir trouver notre Winnie l'ourson. En tout cas, la semaine dernière, je crois qu'il n'y avait pas eu d'épisode. C'est parce que... Death Stranding. Et avant, on avait été occupé avec... l'événement de d'Halloween. Donc du coup oui, il y a eu beaucoup d'épisodes en une fois et puis après après un petit vide. Donc pour nos fourrures, qu'est-ce qu'on va faire? Il est quelle heure aussi? C'est le matin. C'est le matin, on a faim. Ah oui, j'avais dit qu'on récupérait de l'eau parce qu'on a quasiment plus d'eau. Voilà, très bien. On est à 26 sur 30. Alors, je sais pas vraiment quoi faire. On a perdu beaucoup de flèches. Ça, je m'en rappelle bien. On a perdu pas mal de flèches dû au fait que bah, certains loups sont partis avec. Et l'ours aussi est parti avec. Il va falloir se balader pour aller trouver les flèches, quoi. Trouver les flèches. Ah oui, c'est vrai qu'on avait balancé ça un peu à la va-vite. Voilà. Ah, très bien. Ah. Ok, on est bon. Donc, on a pas mal de fourrure. Niveau fourrure, ça va. C'est juste les boyaux. Je crois qu'on n'en a plus du tout. Oh, objet fouillé. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Objet trouvé. Il y a eu des changements. Je sais qu'on m'a dit qu'il y a eu des changements depuis la mise à jour. Mais c'est quoi tout ça du coup? C'est tout ce qu'on avait mis par terre? Ah, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de... Qu'est-ce que c'est que tout ça? Les fourrures sont toujours par terre, mais il manque pas mal de choses. Parce que je me suis dit, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'eau aussi, on devrait en avoir un peu plus. En haut, il n'y a quasiment plus rien, il n'y avait pas de bois, rien, donc je me suis dit, c'est vrai que bon, sur le coup, j'y ai pas pensé, mais c'est un peu bizarre. Là, on a des faitous. On a nos faitous, donc ça va. Là, on avait plein d'habits. Protection légère usée. Non. Qu'est-ce que... Il y a une mise... Alors, je sais qu'il y a une mise à jour et depuis, j'ai pas retouché la survie. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est ça que je veux... C'est ça que je veux savoir. Là, parce que là, on a une caisse avec tous nos objets. Apparemment, je suis complètement perdu. Qu'est-ce qu'on fait? On remet les choses par terre ou on laisse ça? Est-ce qu'on peut mettre des choses à l'intérieur? Non, on peut pas. Ok. Donc c'est vraiment les objets perdus en gros. C'est vraiment, vraiment les objets perdus. Et ça, c'est notre deuxième arc qu'on a fait. Ah oui, on a toute notre fusil et tout ça. Est-ce que je suis en train de faire une bonne chose? Est-ce que c'est bien de tout sortir ou pas? Du coup. Parce que là, j'avoue que je suis un peu perplexe. Bon bah désolé, mais on va passer un petit moment à, rafistoler tout ça. J'ai pas eu le temps de regarder les commentaires, pour être honnête.
Donc peut-être que on m'en a parlé. Donc je sais qu'en stream, parce que oui, je stream sur Twitch de temps en temps, tous les jours, mais même. Mais je sais qu'on m'avait dit qu'il y avait beaucoup de changements. Donc les changements, je les avais vus par exemple là, au craft. Maintenant c'est en lien comme ça. Mais ça, je l'avais vu grâce au quand on avait fait le Halloween. Quand on avait fait Halloween. Par contre, ça. Ça, je sais pas ce que c'est en fait. Hein. Ouais, du coup, on a plein de boyaux. Ce que je... Ok, d'accord. Là, ça devient un peu plus normal. On va mettre les boyaux ici. Oh mon dieu, quel bordel. Ah bah oui, c'est... Ah oui, c'est dégueulasse, là, comme ça, là. Ouais, c'est un peu dégueulasse, mais bon, qu'est-ce que je vous dise. L'autre arc, on va le déposer pour le moment. On l'avait mis où, l'autre arc? On l'avait mis là, peut-être? Non... Ah, peut-être là. Ah non, c'est là qu'on avait mis le fusil. En mauvais état, gibier cuit, y a pas de problème. Oh, je peux... Non, c'est trop difficile de placer un arc à la con. Putain, la collision, ils l'ont grave changé, quoi. Est-ce qu'il est en suspension dans l'air? D'accord, il est en suspension dans l'air. C'est bien. Ah, la vache, ça va m'énerver. Tout qui vole. C'est moi ou il y a tout, il y a ça, ça vole aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon ben, bienvenue sur l'épisode où c'est comme si on était passé dans le monde alternatif. Où je ne sais plus ce qui se passe. Voilà, où je ne sais plus ce qui se passe. Donc on s'est fait peut-être enlever par les aliens. Mais je ne sais plus ce qui se passe. Voilà. Très bizarre. Très très bizarre. Parce que ça aussi je me rappelle qu'on avait fait... quand on était allé à c'était quoi? C'était la cabane du trappeur. On a vu un très très beau temps. Et du coup on avait... couper du bois à l'extérieur. Ça, je m'en rappelle maintenant. Ça me revient, ça. Ça, je m'en rappelle. Donc, on avait coupé du sapin et tout ça. Donc, on avait des gros bois de chauffage. Ça en prend. Encore heureux qu'on a rien perdu, du coup. Mais je voudrais juste savoir pourquoi, en fait, c'est comme ça. De l'accélérant, on n'a pas vraiment besoin. Oui, on met de l'accélérant, on met des allumettes à côté de l'accélérant, oui, pourquoi pas. Hein. De toute façon, on faut vivre dangereusement. Qu'est-ce que j'ai récupéré aussi? Ah oui, les... ça. Pom 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 pom. Ça aussi. Objet trouvé. C'est très très bizarre d'avoir tout mis dans un coffre comme ça. C'est très très étrange. Est-ce qu'on a eu des objets en plus? Parce que bon, j'ai l'impression quand même... Est-ce qu'on avait autant de boîtes de conserve, par exemple? Est-ce qu'on avait autant? Faut falloir que je regarde les anciens épisodes, parce que là, c'est trop étrange. Je pensais même pas avoir autant de fétous, parce que là, on en a 3, 4, du coup. Est-ce qu'ils ont...
Est-ce qu'ils ont récupéré toute la... tous les objets que j'ai laissés par terre depuis qu'on a commencé la survie? Qu'est-ce qui se passe? Ah là 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 là, je suis complètement perdu. Alors, le métal... ça, il y a encore des objets dedans. Ok, ça va. Le métal... J'avais dit que la table, on l'a cassée à un moment parce qu'elle me gêne. Je suis étonné que de ne pas l'avoir déjà fait, en fait. Oh, il faut qu'on regarde... Ah, il faut qu'on regarde la viande aussi dehors. Voir si vraiment on est bon. Okay. Excusez-moi, je regarde les touches si tout va bien. En vêtements, on est bien. Hein. En vêtements, on est bien. Ça fait des sortes de bandanas, en fait. Là aussi, j'avais laissé de la viande. Donc, c'est dans la boîte. Ou alors, je sais plus si on en avait encore ou pas. Il reste encore beaucoup. Voilà. Aucun objet dans le conteneur, objet trouvé. Par contre, ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien sympa de mettre une boîte, mais si vous me la mettez sur mes objets... j'aime bien le logo, c'est le logo de Winter... enfin de... Merde, comment il s'appelle? Comment elle s'appelle la boîte qui a développé le jeu? Enfin, c'est pas grave. C'est un petit... un petit oubli, ça arrive. Ça... Il y a les chaussettes qu'il faut réparer. Putain, nos chaussettes, elles sont en super mauvais état. Ah oui, c'est parce qu'à la dernière fois, en fait, on a fait que cavaler. Du coup, c'est vrai que j'ai pas vraiment pris le temps de réparer les choses. Ok, très bien. Ça c'est pour le fusil. Le problème c'est que je comprends pas, parce que si ils mettaient tout dans une boîte parce que ils ont fait un wipe et tout ça, ils ont rajouté des nouveaux objets, c'est pour éviter de tout perdre et foutre le bordel, d'accord. Mais pourquoi certains et pas d'autres? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce qu'il y a quand même encore des choses par terre. Donc au final, c'est pas les objets par terre. C'est pas ça, c'est autre chose. Ah, ça va me tracasser, ça. Ah, ça va me tracasser, ça. Ah, ça va m'embêter. On avait des balles de réserve? Je crois pas. Hein. Je ne crois pas. On perd du temps en plus. Les journaux, on s'en fout. On va les mettre là. Ah mais voilà, ça fait moche, c'est bien. Parce que ils vont les uns dans les autres, donc c'est moche. Voilà, comme ça. C'est bien. On est à 25 kilos, je crois que ça me paraît correct. Hein. On est d'accord. 25 kilos, je crois que c'est correct. Là, si on la garde... Ça, il y a des plumes aussi, il y en a un peu trop. Allez, allez, oh mon dieu, tu m'énerves.
On dirait qu'ils ont changé encore la collision des objets, si je ne m'abuse. On dirait vraiment qu'ils ont encore changé la collision des objets. Ok. On a plein de plumes. On va les déposer. Tac, 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 ça c'est bon. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on peut sortir. Enfin, on a fait quoi? 15 minutes de... what the fuck, en gros. Qu'est-ce qui s'était passé, quoi? Alors, on a la hache, le couteau, il est en bon état. Les flèches, 6, 7, 8. On en a 8 de réserve avec une qui est mal en poids, c'est bon. Deux appâts, c'est très bien. Les vêtements... Il y a les chaussettes qu'il faudrait coudre. On va le faire, pas maintenant, mais il faut le faire. Est-ce qu'on a du fil à coudre? Je sais qu'on a de la un kit, mais je... On a ça. Après, c'est pour pêcher, c'est vrai. Alors, on pourra continuer à utiliser le truc de couture. Bon, c'est parti. On va voir ce que le monde a changé. S'il faut, le monde a changé, hein. On sait pas, hein. Il faut, c'est plus comme avant. Hein. Genre, tout le monde a changé. On n'est plus sur la même zone. Gros bordel. On va voir. Ah, mon Dieu, encore ? Ah, mais t'es sérieux ? Mais c'est vrai, en plus. Il m'a retrouvé mes flèches, du coup. Toute ma viande. Bah oui. Ah, du coup, on a récupéré les flèches. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est du gibier. À cuire. Tu m'étonnes qu'elle a froid. Oh mon Dieu, je comprends plus rien à ce qui se passe. Lapin cru. Ok, donc on a encore du lapin cru à cuire. Pourquoi on a du lapin cru à cuire? On en avait encore ou pas? Je m'en rappelle pas. Faut vraiment que je relise le patch note alors. Qu'est-ce qu'on a encore? Des pierres. Des massettes. Tête de massette. Oh mon Dieu. Ça, c'est le loup. On en a encore un peu. En plus, il fait super beau, hein. On pourrait faire un feu, hein. Ça, les têtes de massette, on les laisse. Les têtes de massette, on ne touche pas. Ok. Donc du coup, on pourrait faire un feu pour cuire tout ça. Pour cuire tout ça. Du coup, la boîte, elle est plus là. Ok. Du coup, la boîte, elle est plus là. C'est bien ce que je pensais. Je pensais qu'elle allait disparaître aussi. On va réparer nos chaussettes. Après, il y a les têtes de... Putain. Tête de massette. Mais tête de massette, on n'a pas vraiment besoin. T'es sérieux? On n'a pas vraiment besoin. Sans blague. Sans déconner. Sans déconner. Ah bah oui, c'est sûr que là,
Niveau tissu, là, oui. Eh oui. Non, là, on a un problème. Mon Dieu. C'est surtout pour se réchauffer, évidemment, encore une fois, vous l'aviez bien compris. Vous l'avez bien compris. 27 minutes. Ok, il fait beau. Comme je disais, il fait beau. Donc, dans un sens, j'ai envie de passer du temps à cuire des choses. Mais bon. Parce qu'on a plein de viande, en fait, à faire. Wow, ok. Bon, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Bah, la bonne chose, c'est que ça les a réunis. Les massettes. La bonne chose, c'est qu'elles sont réunies. 36, même putain. Voilà. Je me demande s'il y a une boîte avec des objets perdus partout. Ça m'étonnerait quand même. Ah ouais, non, mais là par contre, on peut pas se balader en fait. Oui, les massettes, les têtes de massettes, c'est celles qu'on mettait par terre en fait, qu'on laissait par terre tout le temps. Pas très froid. C'est pas extrêmement froid. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai envie de retourner voir un peu les bâtiments. Qui sont sur le côté droit là de la rive. On en fait beaucoup du bruit. Il n'y a pas des nouveaux sons aussi? Et aussi c'est surtout que j'ai envie de localiser l'ours en fait, s'il est mort ou pas. Surtout ça. Le problème c'est que dans cette purée de poids... Il y a toujours nos amis les loups. Accès ouest. En théorie, on devrait être à côté des maisons, on est d'accord. Oh la vache, je suis complètement perdu encore. Je ne sais pas. Ah, ça y est. Un peu de bois, ça fait jamais de mal. Ouais, non, la texture est pas la même. J'ai l'impression qu'il y a plus de détails. J'ai vraiment l'impression qu'il y a plus de détails en fait.
voit pas de... On voit pas de corbeau non plus. Par rapport au, à l'ours, hein, je parle. Mais bon, là, on peut pas vraiment s'aventurer n'importe où non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, là aussi. J'ai fouillé. Enfin, trouvé, quoi. Donc, tout ce qu'on a fouillé, en fait, tout ce qu'on a trouvé, qu'on a eu dans l'inventaire... Non, pas dans l'inventaire. Tout ce qu'on a déjà trouvé, mais qu'on a laissé par terre, c'est tout dans des boîtes, maintenant. En tout cas, la plupart des choses. Pour je ne sais quelle raison. Pour je ne sais quelle raison. C'est la première fois que je vois ça sur le jeu. Et je comprends pas pourquoi ils l'ont fait, en fait. Je suis pas super sûr de pourquoi ils l'ont fait. Je pense réchauffer, en fait. Très bien. J'espère que le temps va pas se détériorer encore plus. Ok, c'est que des livres. Ouais, du coup, ça sert à rien de regarder les... Les objets... Les... Waouh! Une table fantôme! Waouh! C'est une table fantôme! Alors là, je sais pas trop ce qui se passe. Alors là, je... Aïe, 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 je sais pas. Ça fait un peu peur. Est-ce qu'on va trouver des loups fantômes aussi? On est à combien? 27. Il commence un peu... Ouais, on est en fin de journée. Je l'ai pas vu, je sais pas où il est. What? Je le vois... Le ton... Le son, pardon, est super fort. Donc en théorie, il devrait être super proche, je le vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Je déconne hein, quand je voulais les loups fantômes, hein. Je déconne. Hein. J'entends rien. J'entends rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? On va rentrer. On va rentrer. Hein. Et peut-être qu'on fait un... J'ai envie de passer par là, mais vu que je vois rien, honnêtement, je suis même plus sûr de vraiment des accès, en fait. De le... Des accès du lac mystère, du coup. Donc, C'est nouveau, ces bruits.
J'ai envie de faire du feu pour cuire des choses, personnellement. Mais du coup, ça impliquerait d'utiliser des allumettes. Mais vu qu'on a des choses à cuire, pourquoi pas. J'entends des corbeaux là-bas dans cette direction, j'ai envie d'aller voir. J'espère juste ne pas me paumer en fait. Ouais, ça c'est les cadavres de loups je crois qu'on avait eu. Je vais être honnête, j'ai peur que notre survie soit corrompue. Que cette mise à jour ait fait quelques problèmes, ait créé quelques problèmes. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu peur de ça. Je sais qu'en stream on m'avait parlé de problèmes avec les plumes de corbeaux qui apparaissaient plus apparemment. Bon là on n'en a pas trouvé mais bon ça veut rien dire pour le moment encore. Faudrait attendre un peu plus. On est à 29. On va déposer ce qu'on a et on ressort. Parce qu'il fait encore beau, donc on peut vraiment explorer, mais ouais, quoi. Enfin, il fait beau, il fait pas froid, ça, oui, mais le temps, il est pourri, quoi. Mais bon, ça, on a l'habitude de travailler, enfin, de se balader à l'aveuglette. Un seul. On a récupéré un seul en cassant la caisse. T'es sérieux ? Se passe des choses étranges. Il se passe des choses extrêmement étranges. Alors, on va aller de ce côté. Donc du coup, on a récupéré nos flèches. On a combien maintenant? On a 11. Ok. Il y a des corbeaux ou pas? Je les entends, mais je les vois pas. Ah, plume. Ah, si, si, si. Oh, ils sont super hauts par contre. Ah, c'est peut-être parce que il fait un temps pourri, on les voit pas vraiment en fait. Peut-être pour ça. Non, bon, il y a des plumes, ça va. Mais ouais, enfin, c'est un peu bizarre ce qui se passe.
On va se balader encore un peu. On va voir si... si on trouve pas des... Ah, ça y est, le temps se... devient un peu mieux. Du petit bois encore, et après on rentre. Je suis en train de me demander, est-ce qu'il fait... Non, il fait pas assez soleil. Notre barda fait un bruit énorme. Je sais pas si c'est nouveau ça, mais... j'ai que ça dans les oreilles, quoi. Par contre, faut faire gaffe au temps. Peut-être que maintenant, il va faire un peu plus froid. Et je voudrais pas trop m'éloigner non plus. Lapin. Oh, le con. Ah, trop, trop. Je vise trop, en fait. Là-bas, je crois. Je vise un tout petit peu trop pour l'arc. Enfin, quand c'est pour des lapins, en fait. J'aime pas trop être dans cet endroit. Parce qu'il y a des rochers, il y a des arbres partout. Enfin, des gros arbres. Donc, un loup peut facilement nous tomber dessus. Je crois que c'est le moment où on rentre. J'aimerais bien aller plus loin, mais bon. On va pas exagérer non plus. Ça, c'est une zone qu'on n'a pas vraiment explorée, point d'interrogation. Et du coup, il y a plein de petits bois. Donc bon. Ça va, on rentre. Donc, ouais. Un peu étrange ce qui s'est passé. Enfin, ce qui se passe même. On va rentrer, on va dépecer le lapin. On a encore du gibier et tout ça à manger, donc on va faire ça. Aussi une chose, j'ai pas trouvé de marque d'élan. Pour le moment, je voudrais bien trouver des marques d'élan. Pour qu'on le chasse. Mais ça, je pense que c'est plutôt vers le barrage. Plutôt vers le barrage. On va en profiter, hein, parce qu'il fait pas froid. Donc, on en profite un max, hein, pour récupérer le plus de bois possible. On a combien ? 31 kilos. C'est pas vraiment la chose que vous pouvez faire souvent, en fait. Genre vous balader pendant au moins 20 minutes et récupérer plein de bois. Là, on en doit en avoir encore une trentaine, je pense.
Je suis même en train de me poser la question si on rentre donc à la cabane, tout ça. On déposte notre lapin, comme d'hab. Et si jamais le temps qu'on met pour faire ça et nous réchauffe au maximum, peut-être qu'on ressort et on va couper des gros bois. Je dirais. S'il fait encore pas. Enfin, s'il fait encore bon, quoi. Genre vraiment pour avoir un peu une avance sur le bois. Ah, très bien. Très très bien. Bon, c'était pas mal. C'était pas mal. Énorme stack de bois, 30. Voilà, très bien. Waouh, cool, cool, cool. Il y a encore les flèches qui sont abîmées, ça c'est normal. Ça, il faudrait la déposer. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être retravaillé le poids de certaines choses. Je pense qu'une tête de flèche était 0,10, maintenant c'est 0,7 apparemment. Enfin, je pense, hein. Vous savez très bien que ma mémoire, elle est horrible. Donc c'est possible que je dise que des conneries, en fait. Alors, ça... sont les têtes de flèche sont là, normalement. Hop là. Très bien. On était combien en skill ? Cuisine 3, carcasse on est bon, carcasse c'est bien. La pêche aussi, on a pêché je crois une fois ou deux, je crois. Donc, mais on avait fait quand même pas mal de prises, donc on avait augmenté. Tir à l'arc, on est niveau 2. Ah, marque revolver, le fusil aussi on est niveau 2. Ouais, ok. Le lapin. Faut qu'on boive, je crois. Non, ça va. Alors, fourrure, 30 minutes, 32 minutes. Ouais, oui, t'es fatigué. Ouais, très bien. Essaye de pas trop mettre les choses les unes sur les autres. J'ai pas vu si on avait... Je pense, évidemment, parce que je pensais que c'est changé, ça. J'ai pas vu si on avait gagné de... de l'expérience qu'on a tiré sur le lapin. J'ai pas vu ça. Alors j'ai peut-être pas fait attention, hein, évidemment. Mais j'ai pas vu l'icône s'afficher, en fait. Voilà, très bien. Quoi ? Ok, il fait un peu froid. Il fait un peu froid, je crois qu'on va dormir. Je pense qu'on va dormir et le lendemain... Ouais. Le lendemain, on va prendre ça. Et le lendemain, ça dépend du temps où on fait tout cuire. Alors là, ça va faire bon, une journée, peut-être un épisode entier de cuisson. Ou alors on se balade. Alors personnellement, moi j'ai envie de me balader, hein, parce qu'on a encore plein de réserves, ça va, on peut encore durer plusieurs jours sans avoir à se soucier en fait de faire à manger. Mais ouais, on verra, on verra.
On verra comment ça se passe demain. On va monter. J'ai bien envie de repartir en fait vers le barrage, honnêtement. Alors pourquoi le barrage? Je pense que c'est le fait de... On peut pas le faire la nuit, on est d'accord. Est-ce que je dirais n'importe quoi? Alors le barrage, c'est vraiment pour aller chercher l'élan s'il y en a un. Mais c'est vrai que j'ai aussi envie de trouver l'ours. Donc on va peut-être repasser où il y avait l'ours. Dans le côté du lac en fait, où il y avait l'ours. Je pense qu'on va faire ça plutôt. Ouais, non, ce serait mieux. Ouais, ok, d'accord, il faisait pas assez jour. Nuit, enfin oui, il faisait pas assez nuit. Je crois qu'on va faire ça. On va attendre... non, pardon. Oh putain, faut que je mette mes pensées ensemble. Et on va repartir à l'endroit où il est censé avoir l'ours, comme qu'on avait vu la dernière fois. Et on va faire le tour là-bas. Et bah du coup, je peux peut-être montrer la map aussi. Hein. La map, on l'a dessinée. Ouais, voilà. On va regarder là, parce que normalement, il est là, l'ours. Il était là. On l'a chassé. Il a fait tout ce chemin-là. Et en théorie, il est peut-être mort par ici. Ça reste de la théorie. Parce qu'on est allé loin quand même en fait. La dernière fois. Mais il est possiblement mort par ici. Alors il faudrait que 1. Qu'il ne fasse pas trop froid. De 2. Qu'il fasse un très beau temps. Pourquoi? Pour voir les corbeaux de loin si vraiment il est mort. S'il n'est pas mort, il devrait être de retour chez lui. Les animaux quand ils sont blessés, ils repartent où ils sont... aux endroits où ils connaissent, où ils sont habitués, et ils devraient avoir un terrier d'ours. Je sais, ça s'appelle pas des terriers, mais j'ai voulu que ça soit fun. Voilà, un terrier d'ours. Donc voilà, on va faire ça. C'est parti, on va dormir. On va essayer de dormir une dizaine d'heures. On va essayer de dormir une dizaine d'heures. On a que ça, on n'a pas assez de calories. Ah, on va tout manger. Voilà. Une dizaine d'heures, comme ça on sera full vie. Et ouais. Voilà, bah, c'était un épisode un peu étrange, avec des choses un peu étranges. Je pense pas que notre survie soit corrompue par la mise à jour, mais bon. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est un peu étrange si vous avez eu la même chose, que je pensais pas voir des boîtes en fait qui récupèrent tout ce qu'on a. Voilà, c'est bizarre. Ok, à la prochaine, salut, ciao ciao.